L'interview de visa F1 ou B1, B2, dans cette vidéo, vous allez acquérir des connaissances sur comment répondre à une interview de visa en général. Vous devez être sincère, consistant et logique. Parlez en regardant l'officier consulaire droit dans les yeux. La précision de cette vidéo n'est pas garantie. Premièrement, arrivez à l'interview tôt, 1 à 2 heures avant et soyez bien habillé. Classez vos preuves correctement dans une chemise entre vos passeports de manière à le tendre à l'officier dès l'entrevue, de sorte que vos mains soient libres et que vous soyez détendu au lieu de vous embrouiller avec des fouilles. Pendant les questions-réponses, vous pouvez vous référer aux documents qui sont déjà entre les mains de l'officier consulaire. Commencez toujours par saluer l'officier, soyez détendu, souriant et répondez en lui saluant. Sachez que votre interview a déjà commencé dès votre descente du taxi, car vos actions et anxiété sont observées via des caméras. Vous pouvez venir avec un roman que vous lirez dans la salle d'attente tout en prêtant attention aux questions et réponses de ceux qui passent avant vous. À la fin, quels que soient les résultats, remerciez l'officier pour le temps qu'il a consacré à vous interroger et toute l'équipe consulaire tout en lui demandant gentiment la raison du refus, et s'il vous donne la raison, vous pouvez lui demander si vous pouvez aller chercher la preuve additionnelle qui permettra d'enrayer ce défaut et revenir le lendemain. Sachez qu'il n'est pas obligé de vous répondre, mais s'il vous donne cette possibilité, profitez-en. Les questions pour un visa F1 ou visiteur B1, B2 sont presque similaires, à une virgule près. Étudiant ou B1, B2 visiteur, vous avez 5 étapes pour la demande d'un visa F1-1, appliquez dans une des universités américaines online et payez les frais de dépôt de la demande, généralement entre 0 à 100 dollars de remplir le paquet de documents requis, compte bancaire, support financier, lettre du sponsor, résidence où vous logeriez aux États-Unis, photocopie de votre passeport, vos relevés bancaires ou celui de votre sponsor sur 6 mois, la lettre du parrain notarié où il affirme s'engager à s'occuper de vous, etc., et envoyer à l'université. Votre sponsor doit pouvoir avoir dans son compte constamment un montant minimum de 40 000 dollars ou 20 500 000 FCFA. Ceci doit apparaître sur les relevés bancaires continuellement pendant au moins 6 mois et jusqu'à l'obtention de votre visa. Inutile de mettre cette somme dans votre compte un jour ou 2 mois avant et aller passer l'interview à l'ambassade, car on enquêtera sur vos transactions et statut de votre compte sur au moins 6 mois, à partir de la date de votre interview à l'ambassade. Donc soyez avertis, vos relevés bancaires doivent avoir l'en-tête de la banque pour prouver que cela vient de la banque et être cacheté par la banque, et doit y figurer le nom du propriétaire du compte, le montant disponible et les transactions régulières, le numéro du compte bancaire. 3. Payez les frais de sévis dont le prix varie, parfois 200 dollars. Vous pouvez le payer par Western Union ou via une carte Visa, si le système Internet est sécurisé dans votre pays. 4. Avec la forme I-20 que vous a remis l'université et la lettre d'acceptation, les reçus de paiement, prendre un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis dans votre pays de résidence. Allez à l'interview avec tous vos preuves et documents que vous avez préalablement soumis à l'université et les nouvelles preuves, ainsi que la forme I-20, DS-160 et le reçu du rendez-vous du visa. 5. Si vous obtenez le visa, voyager aux États-Unis. Remarque 1. Tu as besoin du formulaire I-20 que t'a remis l'université, de la forme DS-160, du reçu du sévis, de ton passeport, du reçu du rendez-vous du visa, des preuves financières de sponsor et familiales, et de certains documents précisés ci-dessous. Si tu désires fréquenter aux États-Unis, 2. Prends ton temps pour te préparer, faire des fouilles online sur comment se déroule l'interview,
Regardez les exemples d'interviews ayant déjà eu lieu, simulés à la maison pendant au moins 3 semaines, des scénarios d'interviews où tu es interrogé par un de tes collègues ou amis. Enregistre ces simulations et regarde puis critiquez ensemble tes performances.